Oui, bonjour, moi c'est Romain Léon. Moi la charcuterie, je suis né dedans. C'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a donné envie et passionné. Donc moi j'ai fait un CAP charcutier en 2 ans au CEPROC. Ensuite j'ai fait une mention traiteur à Ferrandi. Et là je suis dans mon BP donc, au CEPROC. Alors nous, on va avoir des interventions de MOF, donc des stages qu'on va faire avec des MOF pour nous apprendre à faire des entrées traiteurs, tout ça, donc c'est vrai que c'est vachement intéressant. En plus de ça, on a une classe vachement motivée, des jeunes qui viennent de toute la France, donc c'est vrai que c'est agréable, quoi. Alors moi, je travaille chez Pascal Joly, donc j'ai fait ma mention traiteur là-bas. Là, je fais ma première année de BP, du coup. Et c'est vrai que c'est un maître d'apprentissage qui est très Exceptionnel. rigoureux et qui aime bien transmettre le savoir-faire à ses apprentis. Donc c'est vrai que c'est vachement agréable de bosser avec lui, tout comme Florian d'ailleurs, qui est Son son fils. fils. C'est vraiment un plaisir de bosser avec l'équipe de jeunes qu'on a. C'est exceptionnel. Tu as un des plus grands charcutiers de Paris, de toute façon. Pascal est un monsieur qui a un très grand cœur, un charcutier passionné et qui veut que de l'excellence, quoi. Ouais, c'est ça. Que de l'excellence. Et c'est vrai que moi, je vois l'évolution de Romain, c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement. Alors moi, il n'y a pas vraiment de produit que j'aime en particulier. C'est vrai qu'il y a tellement une diversité dans ce métier-là qui est énorme. Donc c'est vrai que ce soit faire des pâtes en croûte, des boudins blancs, des plats cuisinés, tout ça, c'est vrai que c'est un plaisir de voir autant de produits tous les jours, quoi. Alors moi, j'aimerais bien travailler chez Arnaud Nicolas, donc en tant qu'ouvrier, et ensuite partir en restauration gastronomie ou voir la restauration pouvoir évoluer et l'adapter ensuite dans la charcuterie. Alors ensuite, moi j'aimerais bien retourner bosser avec mes parents, donc voilà, comme au début, et reprendre l'affaire familiale par la suite.